toi. Oui, c'est toi, mon ami, marsupilami. Dans la jungle, roi, c'est toi, marsupilami. Balance-toi, balance-toi, marsupilami. Et viens danser, danser avec moi. Ouba, ouba, marsupilami. Ouba, ouba, marsupilami. Ouba, ouba, marsupilami. Demain, je pense que ça ira. Pas de retard à la réunion, hein? Non, non, je serai là à l'heure, Bill. Vous avez lu dans le cahier des charges les spécificités du codage? Non, attendez. Papa, Bacala, il va encore essayer. Je crois que j'ai ça dans mon bureau. Papa, c'est important, Bacala. Ah, t'es au marché. Oui, j'ai les documents sous les yeux. Ça m'a l'air compliqué. Il faut que je vois ça en détail. Ils veulent un encryptage à fréquence aléatoire. Ah oui, effectivement, la procédure prévue est exposée, page 3. Il va falloir régler ça pour demain. Il s'agit de notre plus gros client. Mais Bill, il faut d'abord que je vérifie sur mon ordinateur. Allô, Bill? Bonjour, mes chéris. Le poulet est prêt? Maman! Ah! Allô, Jean-Pierre? Il y a des glou-glous sur la ligne, Jean-Pierre. Ça suffit! J'en peux plus! C'est trop! Je n'en peux plus! Le ménage, mon travail, les enfants, c'est trop! J'ai essayé, mais je n'y arrive plus! Mais tu prends les choses trop à cœur, chérie. Laisse-toi aller un peu. Tu veux toujours tout faire tout seul. Ouais, c'est vrai, la marsue pourrait s'occuper de Zoé quand elle est là. Ce n'est pas à une marsue de s'occuper de mes enfants. C'est à nous, ses parents. Je préfère encore embaucher une aide ménagère. Oh! Eh ben oui, c'est ça la solution. Une personne qui fera le ménage, la cuisine et qui s'occupera des enfants. Comme ça, je pourrai travailler en paix. Une aide ménagère, mais si elle aime pas les marsues? Bonne idée, mon annonce. J'ai reçu 53 réponses et j'ai sélectionné 3 candidats. Ouba! Oui, j'aime bien les animaux. Mon ex-patron, le duc de Yorkshire, possédait des lamas. J'ajoute que je suis un cordon bleu et que j'aime par-dessus tout la propreté de mon ménage. Mais que les choses soient claires, j'exige de la rigueur, de la discipline. Les repas seront servis à 12h45 et à 19h. Les retardataires mangeront froid. Les devoirs seront faits tous les soirs, directement après l'école. À la moindre mauvaise note, plus de télévision ni de sortie avec le copain pendant une semaine. Chaque chose doit être rangée à sa place. Tout ce qui traîne trop souvent ira à la poubelle. Alors, monsieur Kroupatchev, c'est ça? Sir! Yes, sir! Précepteur Kroupatchev, à vos ordres, sir! Vous pouvez vous détendre, hein. Vous savez, on est plutôt cool chez nous. Précepteur Kroupatchev au repos, sir! Chut! Oui, oui, j'adore faire le ménage, c'est mon hobby. Je fabrique mes produits d'entretien moi-même, alors ça marche. Non. Ouba, 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 ouba.
J'ai refait l'annonce. Je suis sûr que le prochain candidat sera parfait. Bien sûr. Directeur informatique, responsable commercial, chef du marketing. Y a rien pour recycler un chasseur de marsupilamis. Oh, et ça. Cherche aide ménagère. Moi, bring them back alive. Aide ménagère. Quelle déchéance! Personne stable et calme aimant obligatoirement les animaux, et notamment les marsupilamis, pouvant... Oh! Oui! Fichu vent! Oh, ma nouvelle mise en pli, alors! Eh bien, vos références sont impressionnantes, Madame Bacafrit. Backfire! Miss Backfire! J'ai fait une formation hôtelière et j'adore les enfants. Oh, bonjour, toi. Mamie Grenet. Allons, Zoé. Pardon. Allons, Zoé, il ne faut pas embêter la dame. C'est nous. Miss Backfire, je vous présente mon fils Théo et son ami, le marsupilami. Bonjour. Oh, quel charmant garçon. Bonjour, Théo. Oh, quel animal joyeux. Alors, elle est bien, non? C'est une femme étrange, mais elle a l'air sympathique. Il faudrait lui dire qu'elle se calme sur le parfum. On dirait qu'elle s'est versé une bouteille entière sur la tête. Bon, eh bien, je crois que nous avons trouvé notre aide ménagère. Et voilà, il ne reste plus qu'à vous montrer le placard. Ce marsupilami est très joyeux. C'est une catastrophe ambulante, vous voulez dire? Ouais, il dit toujours ça, mais Marsu ne fait jamais rien. Oh, j'aime beaucoup les animaux, mais je pense qu'ils doivent effectivement apprendre à respecter la maison de leur maître. Bon, eh bien, je vous laisse vous débrouiller. Viens, Marsu, on ferait mieux d'aller dehors, on est indésirable ici. Ah, mais non, attends, Théo, je disais cela... pour être poli. Ton marsupilami peut s'amuser autant qu'il veut ici. Mais ça reste entre nous, d'accord? Oudak, merci, madame. Enfin, miss... Ça a marché, ça a marché. Même le marsupilami s'est fait avoir. Il n'a pas senti mon odeur. Ben, il faut que Jamadou, la biologiste, elle a pas l'air très convaincue par mon numéro. Pas, Amanda. Je me suis dit que vous auriez peut-être envie d'un thé. Oh, merci, c'est gentil. Alors, vous vous sentez à l'aise? Oh, oui, vous avez une famille si charmante. De si beaux enfants, un mari aimant, une belle maison. Oh, oui, vous avez vraiment de la chance. Mais je me plains tout le temps. Et, excusez-moi, je vous dérange, je vous laisse travailler. Oh, oui. Oh, la famille du marsupilami, n'est-ce pas? Oh, qu'ils sont mignons! Bonjour, je suis Miss Backfire. Ah, j'ai quelque chose pour vous. Oui, mais allez-y. J'ai toujours quelques bonbons sur moi. Je suis un peu gourmande. Pardon. Donc, chez les papous, il y a des papous papa, abou papa. Des papous papa, abou papa. Des papous papa, abou papa. Et des papous papa, abou papa. Oui, mais qu'est-ce que je fais, moi? Mais ça suffit, la comédie, là. Je suis là pour capturer un marsupilami. Je suis pas là pour me faire des amis. Et
pareil si on faisait un jeu, les enfants, hein? Vous cachez dans cette poubelle, ça va? Ah, quel petit farceur! Oh non! Oh, mais sois gentil! Non, mes cheveux! Dernier arrivé, dernier! On était en train de jouer! Oui, oui, oui! Drôle de jeu! Dans une heure, on a le temps d'aller au nid. C'est ça. Montrez-moi le chemin pour aller au nid. Allez, plus vite. Ouba. 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 Au secours, une bête m'a crêche. Oh, prends ça. Tiens, couchez. Prends ça, ou les vilains. Ouba. Oui, ben je cueillais des fruits quand ce matou mal élevé m'a sauté dessus. Alors? Oh. Oh, oups. Et alors, elle a assommé le jaguar avec son panier. Vous trouvez pas ça un peu bizarre? Elle a du caractère, c'est tout. J'aurais fait la même chose, tu sais. Moi, je trouve que c'est une femme vraiment gentille et serviable. C'est rare de nos jours. Ouais, elle est toujours gentille, mais on dirait que c'est pour de faux. Elle n'est pas commune, c'est sûr, mais je crois qu'elle est timide. Et surtout très seule. Oh. Coucou, c'est moi. Oh, coucou. Ouais, et ben moi je trouve qu'elle est bizarre. Je suis sûre qu'elle a une idée derrière sa drôle de tête. Chut, arrête, elle va nous entendre. Coucou, madame. Oui, coucou. Oui, coucou. Qu'est-ce qu'il fait, ce morveux? Il m'espionne, là. Vas-y, Marsu. Doucement. Voilà. Laissez passer le petit prince. Le bateau du vieux Marseillais, c'est peut-être le moment ou jamais. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit tour en bateau, toi? Cet imbécile a même laissé ses clés. Ouais. Quoi? Le bateau. Mais j'y vais. Mais comment ça marche, maudit radio? Avance. Mon père était marin. Je l'ai jamais connu. J'ai toujours voulu apprendre à conduire un bateau. Pour essayer de comprendre ce qu'était sa vie à lui. On fait le trajet ensemble deux fois par jour. Je vous apprends quand vous voulez, moi. Il suffisait de me le demander. J'ai pas osé. Je suis vraiment désolé. Théo, tu vas t'excuser et tout de suite. Oh non, n'accablez pas cet enfant, monsieur du jardin. Tout est ma faute. J'ai trahi votre confiance. Je vais démissionner. Allons, ce n'est pas grave. Il s'agit juste d'un malentendu. Enfin, je croyais, je me suis trompée. Je suis désolée. Je m'excuse. N'en parlons plus, c'est oublié. Et pour me faire pardonner, je vous invite demain, toi et tes amis, Marsupilami, à la fête foraine. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Oh, mais excellente idée, n'est-ce pas, Théo? Oui, merci. Merci beaucoup. Oh, hier je l'ai échappé belle. Il est temps que j'en termine avec les marsupilamis. Demain, je passe à l'attaque. Tada! Miss Backfire est de retour. Une giclée de sambon. Ah, mais non, mais c'est pas possible. J'en ai pas racheté. Si je ne mets pas de parfum pour couvrir mon odeur, le marsupilami va savoir c'est moi. Désodorisant pour salle de bain et toilette. Ah, et bah tant pis, ça fera l'affaire. Ouba! Non!
Ah oui, c'est parce que j'ai décidé de changer de parfum. Comme l'ancien ne convenait pas au marsupilami, alors... Je préfère encore l'ancien. Celui-là, on dirait du sambon pour les cabinets. Allez, les minots, c'est parti pour la fête aux foraines. À toi, Bibu. Oh, bravo, Bibu! Allez, Marsu, à toi. Oui. Oh. Oh, papa. Oh, oh papa. Oh, bazar, papa. Bravo, Marsu. Allez, à vous maintenant. Moi? Vous êtes sûr? Allez, essayez donc. Eh ben bon, d'accord. Bah ça alors, quel carton? On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Mais c'est un coup de chance, c'est la première fois alors. Non, j'aime pas les armes à feu sans ça. Bah, tenez, votre cadeau. Et qu'est-ce que vous diriez d'une glace? Je vous l'offre. Cool. Tous à la glace. Oh, bah, miam, miam, miam. Oh, bah, tout là. Pas touche, Morphale. Fallait pas manger la tienne si vite. Tu en veux une autre, petit gourmand? Et si vous alliez jouer tous les deux, Théo, hein? Je garde Bibu si vous voulez. Comme ça, vous serez plus tranquille. Ouais, cool. Tu viens, Marsu. Il faut la paire à ces deux-là, hein? Ah, c'était une bonne idée, cette invitation, Miss Backfire. Ben justement, en parlant d'invitation, votre proposition d'hier tient toujours, parce que je me disais qu'en les attendant, on pourrait faire un tour de bateau tous les deux. Enfin, si ça ne vous gêne pas trop, hein? Oh, tout à fait, nous pouvons y aller. Eh ben... Viens, petit haut, on va le retrouver, ton bidule. Ah, ouais. Eh, hey, regarde le nain. Et tiens. Oh va, papa. Ouba. Ouba. Laisse tomber la sardine. Je vais y aller tout seul faire ce tour de bateau. Là, là, moi, globuleux de la planète bleue. Soyez sages. Oh, quel charmant garçon. Et qu'il est joueur, ce marsupilami. Un marsupilami. Mais, Marsu, qu'est-ce qu'il y a? Oh, bonne mère. Mais enfin, Marsu, qu'est-ce qui se passe? Dédé, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais où elle est cette sortie? C'est un vrai labyrinthe ici. Faut voler trembler. Alors, où est la sortie, dis-le-moi? Eh ben, c'est par là. Après le manège aux éléphants. 1000 cartouches. Madame, votre ticket. Non.
Oh, bonne mère. Back Alive. Eh ben, le minot, on peut lui dire bravo, marsupilami. Oh. Oh. Hein? J'en étais sûre, moi, qu'elle était bizarre. C'est vrai, je suis désolé, Théo. Il nous a bien eu, le bougre. Je ne comprends pas pourquoi il a choisi d'être si méchant, ce Back Alive. Il était tellement plus sympathique qu'en Miss Backfear. Tant pis pour lui, hein. Il restera seul jusqu'à la fin de sa vie. Bien parlé, le minot. Ba-boo-b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 a-boo